Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai mangé à Noël avec ma famille. Alors, pour commencer, le 24 au matin, je me suis fait une petite composition de fruits. Alors, c'est des oranges sanguines avec des litchis. Et pour décorer, j'ai mis des bâtons de cannelle et des baies de genièvre. Ensuite, à midi, je l'ai fait en deux parties. Alors, d'abord, j'ai fait un bol de smoothie avec des bananes, des dattes, de la poudre de baies d'açaï et un peu de déco avec des graines, des noix, des fruits secs. Et ensuite, quand j'ai mangé à table avec ma famille, j'ai mangé juste 3 bananes et aussi un peu de salade, parce que la salade c'est toujours très bon, enfin j'aime ça en tout cas quoi. Et ensuite, pour le dessert, j'ai le droit à des calissons vegan et là par-dessus c'est de la confiture. Et ensuite, pour le soir, j'ai bu du jus d'ananas et du jus de framboise. Et ça c'est du risotto avec poivrons, carottes, très bon hein. Et voilà la présentation du risotto avec un peu de truffe et du vinaigre balsamique. Et je me suis resservie en risotto avec de la salade. Et là, c'est du fromage végétal, donc ça base d'huile de coco et d'amidon. Et ça, c'est une bûche chocolat marron. Je connais pas la recette, désolée. Hein. Mais en tout cas, c'était végétal. Ensuite, le 25 au matin, je me suis préparé un grand smoothie avec 7 bananes, de la poudre de baie d'açaï et de l'eau. Donc une fois que c'est mixé, c'est tout rose, c'est joli, c'est bon. Les volumes ont l'air impressionnants comme ça, mais ça se digère vraiment tout seul parce qu'il n'y a pas de gras dedans. Voilà donc ce que je mange quand les autres mangent des tartines. Ensuite, à midi, on a fait du gado-gado. C'est un plat indonésien, ça fait pas très Noël, mais moi j'ai bien aimé. Donc on met plein de légumes, patates, carottes, patates douces. J'ai préparé aussi du riz noir thaï que j'adore. Ça c'est du faux gras, donc c'est du foie gras mais végétal, sans souffrance. Et c'est très bon, le goût est très bien imité. Et aucun animal n'a souffert pour obtenir ce produit, c'est végétal. Et ensuite donc le gado gado, ça c'est mon assiette numéro 1. Regardez les belles couleurs, en plus on avait un soleil magnifique. Ça c'est ma deuxième assiette parce que j'avais encore faim. Je suis une grande mangeuse. Hein. Et ça c'est ma troisième assiette parce que j'ai faim, je suis sportive. Et enfin le 25 au soir... encore du jus, ça c'était du jus de pomme, avec de la salade, le reste de risotto avec du tofu, du lait de noisette avec de la coriandre et la salade. J'espère que mes repas de Noël vous ont plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao !